Timistiti des champs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous rejoins dans une vidéo, oserais-je dire, un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit de la première dégustation qui sera sur ma chaîne, qui est actuellement, sinon tu ne verrais pas cette vidéo. N'oublie pas comment fonctionne le YouTube game. Grâce à moi, tu sauras si ça vaut la peine d'aller au Japon pour manger un pudding. Aujourd'hui, c'est le 25 juillet et au Japon, c'est la journée nationale du pudding. Ouais, c'est bizarre. Du coup, quoi de mieux pour fêter cette journée du pudding que de manger du pudding? Starbucks a trois sortes de pudding ici au Japon. Un au matcha, oh oui, ça fait un doigt d'honneur. Un banane choco, qui ne m'a pas l'air très appétissant parce que j'aime pas trop ça. Et un à la mangue. Alors j'hésite. Banane choco, c'est sûr que je le prends pas, mais est-ce que je prends matcha ou est-ce que je prends à la mangue? On verra ça. Aucun rapport, mais j'ai acheté un petit pantalon. Regardez-moi ça, il est trop joli. En fait, il est super large, j'ai l'impression juste d'avoir un petit drap autour de moi, c'est tout, et pas un pantalon. Bon, vous allez sûrement me trouver moche, hein, parce qu'il est très spécial, mais franchement, moi, je l'adore, je le trouve super cool. Non, c'est pas ma raie, hein, c'est mes muscles, promis. Donc ouais, il est super confortable, il y a des super grandes poches, genre t'as les bras tendus dedans, c'est trop génial. Et alors, ce qui est trop génial, c'est qu'il match à crever avec le t-shirt que Luni m'a passé. C'est trop joli ensemble. Je suis trop contente, donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Ah, oh, je ne porte rien en pied. Oh. Donc c'est parti pour l'épopée joyeuse. Gacha Starbucks. J'espère qu'ils l'ont, espérons. Prions les seigneurs du pudding. Oh, il y a plus le matcha, mais il y a celui à la mangue. Oui. C'est vraiment pas cher, hein, finalement. Je pensais que ce serait vachement plus cher que ça. Mais c'est 320 yens, donc franchement, allez, c'est parti. Regardez comme leurs gobelets sont vachement mieux ici. Nous, on a des trucs tout pourris. Eux, ils ont carrément des trucs holographiques. Super beau. Oh, je les veux trop. Mais ça sert à rien, mais je les veux trop quand même. Ok. Bon, je voulais pas manger à l'intérieur parce qu'il fait super sombre, comme vous avez pu le voir. Et je voulais quand même un minimum de qualité dans mes vidéos, quand même. Hein, faut pas déconner. Ouh, il fait super clair. Bonjour. Donc, je vais me poser quelque part. Je pense que je vais me poser dans un parking. Voilà, parfait. Pour goûter ça avec vous. Alors, j'ai un petit peu craqué. Enfin, craqué. Tout est relatif, hein, finalement, mais en plus du pudding à la mangue, je me suis pris un petit matcha donut. Voilà, je me suis dit, allez, France, quand même pas les choses à moitié, hein. Si t'es là pour goûter des trucs, t'es là pour goûter des trucs, oui ou merde? Non. Oui. Non. Si. C'est parti. Bah, je vais me poser là. Ça me semble parfait. Le plan le plus chelou du monde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux que ça, Florence? Oh. Voilà, j'ai trouvé une manière approximative. Oh, trop cool. Oh, le packaging est trop mignon. Oh mon dieu. Oh, j'espère que vous entendrez pas le vent dans la vidéo. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir, non, mais... Oh, regardez-moi ce petit packaging de bébé. C'est trop mamé. Oh, je vais le garder. Je vais tellement le garder. Regardez ça comme il est trop, trop mignon. Waouh, trop cool. Je suis déjà toute excitée. Pourquoi j'ai pas de vide? Waouh. Oh, ça sent trop bon, regardez. Oh, ça coule. Oh, c'est bon, alors là. Oh. Mmh, c'est trop délicieux. C'est vraiment une matière de pudding. C'est un chouïa plus compact qu'un pudding normal. Et ça a vraiment, mais vraiment un goût de mangue. C'est délicieux. Oh là là. Mmh, non. Oh, il y a une espèce de petite confiture de mangue dans le fond. Regardez ça. Mmh, yam, 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 yam. Alors, je vais goûter avec la confiture. Mmh. Ah, ça me fait vraiment regretter qu'il n'y ait pas eu goût matcha. Oh, merci le Japon, merci. Thanks God. Ok, verdict, c'est extra méga délicieux si vous êtes au Japon. Si vous allez bientôt au Japon. Allez-y, allez-y. Non, c'est tellement bon. Yeah. Ok, c'est parti. Ça va être la première nourriture au matcha que je mange depuis mon arrivée au Japon. Comment dire que je suis toute excitée. Oh, oh, la beauté, la beauté. Oh non, mais il faut absolument que je prenne des photos avant de le manger. Ok, j'ai mes photos, c'est parti pour l'incroyable. Que dis-je, le merveilleux, que dis-je, le magnifique, le fabuleux, le sublimissime donut au matcha. Le donut, il goûte fort le beignet. Mais comme d'habitude, ce qu'il y a au-dessus du donut, ça a rarement beaucoup de goût. On goûte pas fort le matcha. Oh, déception. Visuellement, c'est top. Mais au goût, je trouve que ça goûte fort le gras. Et ça manque
vraiment beaucoup de matcha. Bon ben pour le coup, vraiment grosse déception parce que comme je viens de le dire, c'est le premier truc au matcha que je mange depuis que je suis arrivée au Japon. Et je m'attendais quand même à un goût de matcha, pas un goût de gras et de sucre. Enfin, les donuts de toute façon c'est toujours très bon, mais c'est toujours décevant quand tu t'attends à un certain goût parce que ça a jamais le goût que ça doit avoir. Mais bon, ça reste un donut, ça reste la vie, donc j'aime quand même parce que c'est un donut et je peux pas ne pas aimer un donut. C'est comme si je disais que j'aimais pas mes parents, je peux pas, c'est là. Tu nais comme ça, ben moi je suis née en aimant les donuts, voilà. Quand je suis née j'avais un donut dans la bouche, ça j'ai du mal à sortir parce que ma mère avait du mal à pousser parce qu'il y avait le donut d'abord, alors avec le sucre c'était super irritant et ça lui a fait vraiment très mal, donc... Voilà pourquoi j'aime tellement les donuts. Et oui, voilà, c'était la première vidéo de dégustation sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà goûté, si vous voudriez goûter, si vous aimeriez que ça arrive en Belgique, malgré que je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais finalement, j'ai quand même envie de savoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire. Sur ce, moi, je vais chercher après un 100 yen shop et je vais aller dépenser toute ma thune. Et salut! Salut! J'ai dit deux fois salut. Le Japon me fait des choses bizarres. Me fait bien sûr. Oui, le Japon fait moi des choses bizarres.